Ouh, je sens que vous, quand je vais vous lancer une attaque, vous allez bander moins fort. Sans déconner. Tiens, vous là. Vous allez aller affronter un peu l'ennemi, histoire de voir s'ils sont puissants ou pas. Testons un petit peu leur résistance. Ici. Qu'est-ce qui se passe là? D'accord. Les gars, vous vous remettez en formation et vous arrêtez vos conneries. Encore une pénurie. Ah, une pénurie du logement. Ça faisait longtemps. En train de les faire chier sur leur île. Ouais, je vois ça. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez chier. C'est moi qui vous le dis. Oh putain, vous allez chier. Alors, bande de rats. Sur ce bataille qui se prépare. Ouais, je crois que les grenadiers ont été très cons. Ils se sont approchés au corps à corps avant d'attaquer. Du coup, ils attaquent à la baïonnette. J'espère que vous avez mieux que ça, hein, parce que sinon vous n'allez pas faire long feu. Hein. C'est qu'un tout petit morceau de mon armée. Hein. On est cédé, là. Ils sont dans la merde, alors que c'est qu'un tout petit assaut à la base. Leur puissance militaire, elle est minable. Mais vraiment. Putain. Ils sont où vos soldats? Ah, il y a des grenadiers là. On va aller s'en occuper. T'sais. Parce que leurs pezouilles, ils servent pas à grand chose. Là, je crois qu'un raid aura suffi. Ils sont morts, ça y est. Ah ouais, là, ils sont dans la merde. Faut pas que je les laisse se refaire parce que ils vont sûrement prendre une petite unité de paysans et essayer de se reconstruire ailleurs. Il va falloir que je détruise bien tous leurs bâtiments aussi. Le bateau de pêche, il va jeter pratiquement une meuble. Ah bon? Allez, prenez-moi cette mine maintenant. Ah d'accord, il y a encore des petits soldats. Voilà, la mine est à moi. Qu'est-ce qui vous reste? Pas grand-chose, j'imagine. Il vous reste rien.
des soldats là. Faut juste que je détruise leur bâtiment. Ah oui, ils essaient de reconstruire. Tu les laisses survivre ou tu les tues complètement? Oui, il est hors de question de les laisser vivre. Ça aurait été rapide, c'est con pour eux, mais bon. Oh, ils envoient un obusier, c'est désespéré comme action. Vous pouvez envoyer un obusier, moi j'en ai 50. Ça, c'est de la blague. Tu t'en sers souvent, toi, des obusiers? Ouais, ça dépend. Vous m'avez détruit quelques troupes, mais c'est pas grave. Alors, on revient ici, on capture... qu'est-ce qu'il y a à capturer? Ouais, d'accord, l'hôtel de ville est bien à moi, maintenant. Capturez-moi ça. Voilà, capturez ça. Bien. Bon, bah maintenant... contrôle des grenadiers et on détruit les bâtiments qui font chier, notamment cette caserne à la con là. Sinon ils vont refaire des piquets à la noix. Évidemment ils vont essayer de se reconstruire ailleurs. Ils iront pas loin. Ah tiens, ils envoient une flotte m'attaquer. Les restes, quoi. Les restes de l'armée. Alors, les gars. On prend quelques grenadiers. Des canons et on va se débarrasser définitivement de cette ville à la noix. Les piquets, vous allez les empêcher de se reconstruire parce que sinon ça va durer indéfiniment. On autorise les soldats du 17ème? C'est un peu cheaté, mais moins. Je sais pas. Non, non, on les met pas. Pas de vaisseau de ligne. Bon. Ça va chier. Ça va chier grave. Ça va chier plus le café. Oh putain, il peut me faire de l'or aussi. Et vous emmerdez, vous. Vous allez faire de l'or.
quasiment enterré là. Ah oui. Paysans qui font rien. Toi, connard. La mine. Eh mais... C'est qu'ils pensent vraiment pouvoir se reconstruire. Hein. Ils essaient de construire des bâtiments au fur et à mesure, mais... Ouais. Voilà, ils vont pas aller loin, de toute façon. Ils auront beau résister... D'ailleurs, j'ai des paysans portugais maintenant que j'ai capturés. En fait, les grenadiers sont beaucoup plus rapides à détruire le bâtiment. Ouais, carrément. Qu'est-ce qu'il reste à détruire là? Pas grand-chose. Là, leur seule chance aux Portugais, c'est avec le peu qui leur reste, c'est de se barrer et essayer de se reconstruire sur une petite île. Ouais, ça serait une solution. Mais je sais même pas s'il leur reste un seul paysan là maintenant. Donc s'ils n'ont pas de paysans, de toute façon ils sont foutus. Ouais. Ouais, est-ce qu'ils pourront plus jamais se développer? Ou alors faudrait qu'ils. Enfin, si, je sais pas si c'est considéré comme une défaite quand t'as plus de paysans et. Tu penses? Parce que. T'as quand même une petite possibilité de gagner, c'est en capturant ouais, un paysan, mais bon. Faut au moins avoir un port ou des choses comme ça. Enfin, c'est mieux. Voilà, il a toujours son port. Mais bon. Ils sont foutus, les Portugais.
Bon, leur port va être un petit peu ennuyeux, mais bon. Putain, ils avaient fait un paquet de porcs, les Portugais. Ouais. Ça, c'est pas faux. S'ils ont encore des paysans, hein. Ah bon? Je crois, ouais. Parce qu'ils ont, ouais, ils ont une mine. Il va falloir que je m'en occupe alors. Voilà. Ah oui, je vois leur mine. Donc il doit sûrement y avoir des paysans dedans, effectivement. Oula. Allez m'attaquer ça. Ils vont pas faire mon feu. Yeah. Capturez-moi ça. Mais non, la détruit. Bon, d'accord. Ça aurait été mieux de la capturer plutôt que de la détruire, mais bon. Quelle bande de bourrins. Vous êtes intéressé par l'île au sud, monsieur? Je crois qu'il est temps de détruire les vaisseaux de ligne. Ouais. Je vais détruire le mien tout de suite. Ah, ces deux-là.
J'ai dû détruire 2 ou 3 bâtiments pour récupérer une mine. Ah. Hop. Pas mal. 400, c'est pas mal. Je l'ai fait par 400, mes unités. C'est un peu riche, non? Des unités de 400. Normal, tu sais. Des papes, on va en faire 100. 100 papes. 70. 70 papes, mon chat, ça sert à rien. Qui ça, les papes? Les portugais. Ils vont bosser pour moi maintenant. Allez hop! Caca prout. Tu m'as fait peur. Ouais. Désolé. Tu m'as fait peur avec un caca prout quand même. Ah ouais? Cacaprout, cacaprout, cacaprout. Cacaprout, cacaprout, cacaprout. Oh, fais gaffe les gars. Non, 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 non. Je vous ai demandé de vous ranger, mais vous approchez pas trop de la bordure là, parce que sinon. Ils vont faire n'importe quoi. Un débordement est si vite arrivé. Ouais. Aux conséquences dramatiques. Bah, c'est sûr que ce sera un massacre. Hein. Il va y avoir des morts. Hein. On sait pas ce que se reprochent ces deux nations, mais. Mais déjà, rien que sur cette petite île, ouais, ça va être. Avec l'Holocauste. Rien que ça, oui, ça va être un massacre. Mais alors, quand ça va être nos deux capitales. Je sais pas quand ça va péter, mais. Ça va être marrant, je crois. Oh, ça peut péter demain, je pense. Je sais pas. À mon avis. Ouais. T'as vu en plus la frontière de. Des tourelles? Ouais. Que j'améliore tout au max, évidemment. Au mieux. Que ce soit efficace. Évidemment. Sinon, ça sert à rien. C'est pour ça que je réplique et que je fais moi-même des tours. Ah oui. Moi ça. Quand j'ai lu que tu commençais à en faire, je me suis dit merde. Putain, il en fait un peu beaucoup. Il vaut mieux que je sois compétent là. Le mur de tours quoi. Bah, attends, avec tous les paysans qui... et tous qui foutent rien, ils vont en faire d'autres. Mais les deux nations sont vraiment proches l'une de l'autre, c'est ça le truc quoi. C'est pas du tout. C'est pas du tout synonyme de tension. Ah oui, tu vas faire des tours. Mais j'en fais encore plus. Regarde bien. T'as vu tout ce qu'il y a en construction. Ça vous amuse?
Où est-ce que tu l'as fait? Ah oui, d'accord. Le mur de tour. Oh putain. Faut pas approcher, je crois. Faut pas trop approcher, c'est pas recommandé. On va quitter. Ok, ok. Je vais la jouer comme ça. Je vais encore plus de tout. Ah, tu veux jouer comme ça? Des mecs qui s'amusent, quoi. Non, mais t'imagines, les gens, ils vivent même plus, quoi. En fait, ils vivent pour la guerre, quoi. Même les paysans, ils contribuent à l'effort de guerre toute leur vie. Ah bah oui. La vie, c'est la guerre dans ce monde. Carrément. Ils s'aiment pas. C'est les deux plus grandes nations du monde, on va dire. Mais... Dans une réalité alternative. Ouais. La Bavière et... Et la Pologne. Et la Pologne se partagent le monde. Enfin, l'Europe, plutôt. On peut imaginer que c'est l'Europe, ouais. Ces trois grandes îles. Allez, on va se remettre à produire des pezzouilles en masse. Toujours plus. Ces tours vont coûter une fortune. Ah bon? Bah, entre l'amélioration et le fait de les créer. Putain, moi ça m'a rien coûté. Bah, moi non plus, mais à long terme. Ah ouais. Bah, sont déjà tout au max celle-là. Pas celle-là. Allez au boulot, bande de merde. Toutes les tours qui se construisent, quoi. Oh. Ah ouais, t'as bien répliqué. Ok, ok, bah attends, c'est pas fini. Ah, tu veux des tours, tu peux en avoir. Oh putain. Non, mais t'imagines quoi, le paysage, tu vois que des tours. C'est vachement sympa. Ils se disputent un petit bout de terre, tu sais. Ah putain, je suis déjà en surpopulation. Ah bah tu m'étonnes avec tout ce que je fais. 400 par-ci, 400 par-là. D'ailleurs... Ça continue là. Les habitations, vite, 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 vite. Non, je crois que c'est la première fois que j'ai une ville, une capitale avec autant de maisons. Je sais pas si t'as été voir. Ah, c'est pas mal. Il y en a beaucoup quand même. Hein. Ouais, ça commence à. Ça commence à être pas mal. Ah, je suis obligé parce que si je veux de la population. Mais je plains nos peuples respectifs quand ils vont se faire la guerre. Ouais. Ils vont morfler. Je pense que la mer deviendra rouge. Oh oui. La terre aussi. Le ciel. Un peu tout en fait. À feu et à sang quoi. On peut imaginer qu'à la base c'était deux frères. Deux frères en fait qui ont été chacun faire de leur côté. Trois frères en fait qui ont été chacun de leur côté faire un royaume. Et leur descendance en fait, bah, ça a donné ça quoi. Ah ouais, d'accord, donc on est les descendants de. De nos. Ouais. Donc en fait on est tous des cousins quoi. Voilà. Sympa les cousins. Sauf qu'il y a une partie de la lignée qui s'est effondrée. Qui... Putain, toutes ces tours. Et ce qui est marrant, c'est que c'est juste à la frontière. Je suis sûr, j'ouvre la porte, ne serait-ce qu'une seconde, ça pète de partout.
Oh putain, je sais pas imaginer. C'est les mecs qui sont là dans les tours, ils s'observent, ils l'ont vu. À longueur de journée. Ah ouais. Ils deviennent complètement parano. Ça va exploser de partout. Ça va être épique. Ouais. Et là, je suis sûr, les viewers, là, ils doivent se dire, putain, vivement que cette bataille ait lieu. Ouais, je pense. Histoire de voir ce que ça va donner. Il devrait y avoir des pets zombies là, qui sont là en masse. Salut vous. Ah, crise du logement. Fuck. Bon, vous là. C'est bon, on a assez de bois. Arrêtez vos conneries et allez construire des maisons. Moi je vais en refaire un peu du bois. Bien, mais je préfère. Là, je crois que quelle que soit les ressources, je suis tranquille pour très très longtemps. Ah, quoique, il y en a une qui commence à descendre. Ouais, il y en a une qui descend plus qu'elle monte. Il va falloir que je m'en occupe tant que je la vois. Si vous voulez vos croquettes des maniocs, vous devez construire des habitations. Yeah. Par contre, je trouve ce qui coûte extrêmement cher, c'est le personnel. Ouais. Ça coûte très vite cher. Du coup, vous foutez rien. Oh putain, 79 aumôniers. Eh, d'accord, ok, super. Quand une mine est en amélioration, on ne peut pas les mettre tout de suite dans la mine. Non.
pas des emmerdes là? Si, régulièrement. Putain. Ça va très très vite. Faire une espèce de campagne de construction de maison. Il a l'air mieux que le Cossack 2 quand même, le jeu. Bah, il paraît qu'il est moins bien le 2. Après, j'ai jamais essayé, mais. Un jour, je l'essaierai de toute façon, mais bon. Ouais, t'es pas spécialement pressé, quoi. Non, bah non. Puis depuis le nombre d'années où il est sorti, j'ai jamais vraiment eu envie de tester le 2, bizarrement. À vrai dire, le 1 m'a jamais réellement lassé. Ouais, moi non plus. C'est peut-être. Ça y joue un peu, je pense. Je sais pas si beaucoup de viewers connaissent ce jeu d'ailleurs. Pas tant que ça. Ouais, c'est pas récent et je pense que la majorité de mes viewers en plus sont plutôt jeunes.